Dépêche-toi. Ouais, doucement. Tu sais pourquoi tu es là? Non mais qu'est-ce que vous me voulez? Ton ami Robert. Oui? Tu vas devoir nous ramener toutes les clés de son matériel et de sa maison. Et pourquoi je ferais ça? Parce qu'on te le demande, sinon tu vas mourir. Tu as 2 semaines pour tout nous ramener. Non, arrêtez! Alors j'ai appris que t'étais à l'hôpital. Bon, t'as prévu quoi pour aujourd'hui? On sort du fumier aujourd'hui. Ah bah tiens, qui là là là, Didier. Tiens, salut Didier, qu'est-ce que tu fous là? Ouais Robert, je te laisse charger, j'ai juste un petit coup de fil à passer là. Alors, tu en es où? Dépêche-toi, ton temps est compté. Il te reste un peu plus d'une semaine. Ouais, je sais, si vous voulez. Ça, casse-toi. Bon, nickel, nouvelle journée. Bon, cette fois, je vais essayer de chourer quelques clés là, parce que sinon, je vais me faire. Ouh, le laitier qui sort. Ouais, donc sinon, si je chope pas les clés, je vais avoir quelques problèmes. Bon, on va se garer comme d'habitude, ça change pas. Hop, nickel, on éteint ça. Bon, nickel. Où c'est qu'il est, Robert? Robert! Oh! Ouais. Ouais. Ah, t'es là, ok. Je suis là. Salut, ça va? Ça va, toi? Ça va, ça va. Bon, alors, t'as prévu quoi aujourd'hui? L'épandage de lisier, puis un peu de fauchage aussi. Ok, bah, nickel. Nickel, nickel. Bah, du coup, chacun va dans son coin, du coup. Ouais. Tu veux faire quoi? Bon, comme tu veux, n'importe. Je vais bien commencer par épandre le lisier, si tu veux. Bah, ok. Je prends quel tracteur pour le lisier? Le 15. Ok, pas de soucis. Et ta tonne, elle est où? Elle est là, ok. Ah, okay, okay. À côté du legendaire. Ok, ok. Bah, au pire, tu m'accroches. Je vais prendre chercher le 15 et puis tu m'accroches ça. Ouais, ok. Ok. Bon, allez, j'y vais. Ouais. Bon, on va monter dans le case. Hop, nickel. Bon, on va démarrer ça. Petite radio. Alors, Robert, il aime bien la radio. Donc. Bon, nickel. On va aller accrocher la tonne. Du coup. Hop, il m'attend là, le Robert. Hop, on va essayer de se mettre bien, histoire qu'il galère pas trop pour accrocher ça. Bon, ça a changé un peu. Petit épandage de lisier. Vas-y, là. Recule encore. Ouais. Encore. Stop. Ouais. Hop, c'est bon? Ouais. Ok, hop, nickel. Bah du coup, il m'a pas dit, faut qu'il me dise le champ, on sait. Alors, hop, on va descendre, on va lui demander quel champ que c'est. Ouais, alors, c'est, ouais. Du coup, c'est quel champ, du coup? Tu sais, la deuxième prairie, on a mis du fumier. Ouais. Eh bah, c'est le champ d'en dessous, où il y a des betteraves. Ok, d'accord, où il y a des betteraves. Ok, pas de soucis, bah écoute, je verrai bien, de toute façon. Deuxième prairie, oui, ok. Oui. Bon, bah écoute, bah du coup, je vais la remplir quand même, la tonne, avant. Et puis... elle est pleine. Elle est pleine, d'accord. Ouais, okay. Ok, d'accord. Bon, bah écoute. C'est que j'avais pas vu. Bon, bah écoute, bah du coup, je go au champ tout de suite. Hein. Et puis, il y a combien de voyages tu penses à faire? Je sais pas, mais il y a 2 champs qui sont l'un à côté de l'autre, puis... Okay. Je pense une dizaine. Ok, bah je pense qu'au bout de la 2-3 voyages, je prendrai le roi de la faucheuse si ça te dérange pas, comme ça je vais changer un peu. Non, pas trop. Parce que j'ai emmené ma caméra aussi, je vais encore filmer. Donc, ah ouais. Ouais. Parce que je pense aller faucher au-dessus de toi, donc voilà. Ah ok, bah d'accord. Ok, ok. Bon, bah tout à l'heure. Là. Bon, nickel,
ça a l'air de marcher. Du coup, on est parti. Bon, ça fait longtemps. Bon, le casque, par contre, il galère un peu. Franchement, il est pas dans sa meilleure... Dans sa meilleure activité, on va dire. Enfin, bref. Hop, bon, la tonne est vide. Alors, du coup, on va replier ça. Hop. Nickel, ça se replie. On va aller remplir la tonne, histoire de... parce que sinon, ça ne va pas servir à grand-chose que je fasse ça. Si la tonne est vide. J'ai repéré un petit raccourci, parce qu'en fait, la ferme est juste là-bas. Tout à l'heure, je me suis assez rallongé. Parce que j'ai vu que le Robert était passé par là, donc... Je me suis dit, bah, je vais passer par là, c'est vrai que ce sera plus rapide, hein, parce que bon, j'ai fait un putain de détour tout à l'heure. Hop, mon mec clignotant. Voilà. Bon, le casse galère, hein, même quand la tonne est vide et sur les routes. Mais bon, ça va. Ça, dans les champs, quand même, ça avance pas mal. Surtout que le champ est pas très très grand non plus. Je sais pas s'il y a un autre champ, je pense que oui. Mais je sais pas s'il est plus grand ou plus petit, j'en sais rien du tout, il m'a pas dit Robert. En tout cas, je pense que je vais finir ce champ là et puis après je pense que je demanderai si je peux voir pour faucher un coup. Et puis voilà. Bon, c'est vrai que le casse là quand même il va pas très vite, hein. Franchement. Mais bon, ça passe. Bon, on va essayer de pas se foirer sur le pont quand même, histoire de pas finir dans la flotte. Bon, ça c'est pas non plus très très étroit, mais il faudrait pas venir avec un gros tracteur non plus là-dedans, hein. Bon, on va tourner là direct. Hop, on va essayer de prendre large. Bon, nickel, ça passe, mais c'est vrai que ça passe assez juste. Bon, petit mouton là. du coup, on va monter en haut, il va falloir qu'on aille remplir tout ça. Ah, c'est vrai que le casse, la vache, bon, il est confortable, hein, ça je dis pas, mais il galère. Franchement, il est aussi confortable que Nul, hein, franchement. Bon, après, c'est à peu près la même génération, donc. Du coup, voilà. Bon, ces poules, par contre, ils nous font un peu chier. Alors, du coup, ouais, sa cuve, elle est là, hein, c'est ce qui me semblait. Alors, là, attends, parce que le tuyau de remplissage est de ce côté-là, donc faut pas que j'aille en marche arrière, je vais direct en marche avant. Hop. Nickel, on va se mettre là. Hop, on va se mettre là. Et puis, on va pomper, et puis c'est parti. Bah nickel, j'ai fini ça, les fourrières sont faites et il me semble que Robert a fini, donc d'ailleurs je vais l'appeler, je vais demander s'il a fini. Ah tiens, encore un engrais qui passe, enfin ouais, je sais pas c'est qui. Donc Robert, hop, appelé. Allô. Ouais, alors t'en es où? Bah là je repars.
Ok, bah nickel, on a fini. Bah, on se rejoint à la ferme vu que ma tonne est vide, mais j'ai fini le champ. Donc, comme ça, je vais pouvoir prendre le relais de la fauche si tu veux. Ouais, ok. Ok, bon, bah écoute, on se rejoint à la ferme. Ouais, à tout de suite. Ouais, à tout de suite. Hop, nickel. Bon, on passe là. On est go. Je sais pas où est-ce qu'il est, s'il sort ou quoi. Non. Ah, si, il sort, il arrive, ok. Bon bah nickel, comme ça on va se rejoindre à la ferme, ça va être nickel. Hop, nickel. Bon, le casse, il va, je pense je vais dire de changer de tracteur si là je crois il a le gender, donc je vais dire de prendre le gender. Hop, on va s'arrêter là, on va le descendre lui dire. Hop, on éteint ça. On descend. Hop, nickel. Bon, on va aller voir ce qu'il raconte. Il est quelle heure? Allez, il se fait déjà 11h45, ouais, quasiment midi. Ouais, alors c'est bon, nickel. Ouais. Ouais, nickel. Bon, bah, je vais prendre la faucheuse. Par contre, je te conseille de prendre le John Deere, hein, parce que le casque, il a l'air bien trop. Ok, ça marche. Tu veux un apéro? Bah, écoute, je veux pas dire non à cette heure-là. Allez, viens. Ouais, je te suis, vas-y. Bon, bah, merci pour ce petit repas, du coup. C'était pas prévu, mais bon, c'était bien bon. Ah, bah, de rien. Ah, oh, bah, oui. Bon, bah, du coup, je vais faucher, donc je vois à quel champ. Tu sais, on a mis le fumier là, l'autre. Ouais. Bah, celui-là. Ok, bah d'accord, pas de soucis. Bah, du coup, ouais, c'est le premier où on a mis le fumier, ça. Ouais. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, du coup, bah c'est parti, je suis parti. Puis bon, bah du coup, comme je t'ai dit, hein, prendre John Deere, ce sera mieux pour toi. Ok, ça marche. Bon, allez, bah je te retiens en courant dès que j'ai fini. Ouais, allez. J'ai fini, c'est un problème. Ok, pas de soucis. Allez, à toutes. À toutes. Hop, nickel, on va monter dans le New Land. On démarre ça, la petite radio. Avant que je démarre le tracteur, je sais déjà qu'il y aura une petite radio. Allez, du coup on est parti, donc il m'a dit premier champ où on est pendu. Myself, my name, forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continued to walk on by. It has been a year and now I'm living on the line. Hop, nickel, dernière rangée. Bon, franchement, une belle petite journée. Quelle heure là? Il se fait 16h30. Ouais, ok. Bon, bah ça va, on aura fait. Franchement, belle journée. On aura fait pas mal de trucs. Donc, je vais rappeler Robert pour lui dire que j'ai fini. Hop, on relève ça. On replie directement. Pareil pour celle-là. Hop, nickel. Bon, Robert. Ouais, allô. Ouais, allô. Bah c'est bon, j'ai fini le champ. Ok, bon, bah, nickel. T'as fini toi? Ouais, là, je suis vide. Ok, bah nickel. Et t'as fini le champ? Ouais. Ok, bah nickel. Et ben, on se retrouve à la ferme alors. Ouais. Bon, nickel. Bonne journée là. On aura fait du fauchage. Ah bah tiens, il arrive. Bon, je vais tourner là-bas parce que là, c'est trop étroit. Comme ça on va le suivre, nickel. Hop. Hop, là on tourne. Nickel. Bon. Alors. Bah ça arrive à laver ça. Bon, je vais mettre ça derrière. Je vais demander s'il veut de l'aide ou quoi. Bon alors, on va éteindre ça déjà. On va descendre. Hop. Bon bah nickel, c'est bon. On a fini. Ouais. Tu veux que je t'aide à laver ça? Non, t'inquiète, c'est bon. Pareil, les animaux, tu veux pas que je t'aide à nourrir? Non, t'inquiète, c'est bon, tu peux rentrer. Ok, bon, bah nickel. Bah c'est cool, franchement, c'était bien sympa aujourd'hui. J'ai pas eu trop le temps de filmer un petit peu quand même. J'ai mis ma GoPro par-ci par-là. Mais bon. Je t'enverrai le lien de la vidéo comme l'autre fois. Puis, ah ouais, voilà. T'inquiète.
Bon bah écoute, bah merci pour tout et puis à demain Bah ou demain. enfin ouais à demain voilà. Voilà, Allez, demain. ouais, salut. Salut. Hop, on va aller dans la voiture et puis on est parti. Hop, on va démarrer ça, on est parti. Bon, du coup j'ai pas pu garder les clés de son Yoland parce que quoi, c'est quoi la voiture qui passe là? J'ai pas pu garder les clés de son Yoland parce que le problème c'est que vu qu'il allait aider à... Il aurait accepté que je l'aide à faire un coup de karcher, j'aurais gardé les clés après, mais vu que là, voilà, il se serait douté de quelque chose, donc pour l'instant j'ai aucune clé, mais je pense, ouais, je pense que je vais faire des fausses. Hein. Bon, je vais pas en parler à Robert, mais ouais, en vrai, je pense je vais quand même faire des fausses, je vais essayer de les choper, puis de faire des. Bah non, pas besoin de les choper vu que ça sera des fausses. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais bon. Bref, allez, on est parti. Bon, on rentre chez nous. On va aller voir la maison. Bon, je pense je vais la vendre. Parce que, bon, une maison pour moi tout seul, surtout que je travaille même plus là du tout. Donc, je pense que je vais vendre. What, c'est qui ça? Ok. Bon, on va se garer là. Hop, on éteint ça, on descend. Alors. Bonjour. Bonjour, vous êtes bien David Loli? Oui, c'est moi en personne. J'ai un truc à vous dire à propos de Greg.